bien, je vous ai fait un petit dossier spécial qui n'a absolument rien à voir avec ce que je fais d'habitude, mais par contre, ça me concerne de manière très très proche. C'est que tout simplement, ça fait 20 ans que je fume et je me pose toujours cette question-là, comment je vais réussir à arrêter de fumer? Le plus horrible avec la cigarette, c'est que j'ai déjà arrêté plusieurs fois, j'ai même arrêté une fois 1 an et demi, j'ai arrêté un an une fois 1 an et demi avec différentes manières, avec les patchs, avec l'acupuncture, et j'ai même réussi à arrêter de fumer avec le fameux livre. Donc ça a fonctionné, mais malheureusement à chaque fois je reprends la cigarette. Et ce qui est horrible avec la cigarette, c'est quand on est fumeur, on sait très bien que fumer tue, on sait très bien que c'est mauvais pour la santé, on le sent le matin quand on se réveille. Et pourtant, on se sent vraiment pieds et poings liés à ce produit. Et la question que je me pose en fait, qui est assez violente, mais qui vient de Nouvelle-Zélande, c'est faut-il interdire tout simplement la cigarette? Est-ce que interdire la cigarette, ce serait peut-être la proposition la plus honnête que pourrait faire un État si vraiment il pense à notre santé? Et donc, ce qui est intéressant, c'est que la Nouvelle-Zélande, justement, ils veulent rendre le tabac illégal pour la nouvelle génération. Et donc, c'est hyper intéressant comme initiative. Je m'intéresse de très très près à ça. C'est que le point phare du texte, c'est que l'augmentation progressive de l'âge minimum d'achat des cigarettes, actuellement il est à 18 ans, et ben à partir de 2027, il va être relevé d'un an. 18 ans, ensuite 19 ans, 20 ans. Si bien que des jeunes aujourd'hui qui ont 14 ans ne pourront jamais mettre la main légalement sur une cigarette. À part bien évidemment s'ils en achètent de manière illégale. Et donc cette initiative, moi je la trouve hyper intéressante. J'espère que ça va fonctionner là-bas parce que ça donnera un exemple, ça donnera beaucoup de courage. Parce qu'à un moment donné, pour arrêter de fumer, il suffit que la cigarette soit interdite. À un moment donné, ça paraît basique, ça paraît ultra violent. Je ne pense pas qu'il faut faire ce genre de choses du jour au lendemain, il faut laisser du temps. Et l'idée, je me suis vraiment posé cette question-là hyper sérieusement, faut-il tout simplement l'interdire? Et là, ce que j'ai fait, c'est que c'est bien évidemment un sujet qui me casse la tête, et c'est peut-être le principal sujet vraiment qui fait mal quand même, c'est que j'ai mis quand même quelques chiffres, et on le sait très bien quand on est fumeur, c'est pas ce genre de chiffres qui vont nous faire arrêter de fumer, mais je les ai mis, et en les posant sur le papier, ça met encore plus de poids. C'est que déjà pour moi, c'est la plus grosse drogue légale de l'histoire. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette drogue-là, elle nous a été vendue et survendue depuis les années 50, avec, vous vous souvenez, le héros de Marlboro, tous les films américains, c'était des pubs pour des cigarettes, donc on nous a lessivé le cerveau, alors pas nous, mais les générations d'avant, nos parents, nos grands-parents. Et ainsi de suite, c'est rentré complètement dans les. Et surtout, on le sait très bien, il y a énormément de produits qui nous rendent dépendants dans la cigarette. Et l'idée, les chiffres, ils sont flagrants quand même. C'est que, et pour moi, c'est un minimum, c'est qu'on a 32% des Français aujourd'hui, donc c'est des statistiques pour la France, 32% des 18-75 ans qui fument. Et pour moi, ils sont sous-estimés ces chiffres parce que, par exemple, moi, à un moment donné, j'avais arrêté de fumer. Malheureusement, je suis de nouveau fumeur aujourd'hui. Et l'idée, c'est que c'est un minimum. Donc, minimum un tiers des Français fument. Ça fait très très peur qu'on le met sur le papier. 200 morts par jour en France. C'est la première cause de mortalité directe et évitable en France. Après, souvent, on va utiliser l'industrie, on va parler des taxes pour l'État. Donc, effectivement, l'État, c'est 15 milliards de recettes pour l'État en 2020. Mais ce qu'on oublie de dire souvent, parce que c'est pas un argument pour interdire la cigarette, c'est qu'en face des 15 milliards de recettes pour l'État, il y a 120 milliards en frais de santé générés à cause de la cigarette. Et après, des effets indirects aussi, c'est tout l'entourage et ce qu'on appelle le tabagisme passif. C'est qu'il faut être honnête, quand on est fumeur, on ne va pas forcément se préoccuper des gens qui sont autour de nous. Pourtant, j'ai des enfants, ça peut être l'entourage familial, des amis et autres. Mais on se dit, on est dehors, on fume, et en fait, on fait subir la cigarette aux gens autour de nous. Après, sur les mégots aussi, ça peut être un argument qui peut être motivant. C'est que j'ai lu encore ce matin qu'un mégot peut polluer 500 litres d'eau. Donc ça, c'est quand même monstrueux. Et donc après, bien évidemment, il y a différentes proportions de fumeurs. Il y a les hommes à 36%, les femmes un peu moins. Et après, bien évidemment, en fonction des revenus, plus vous avez des hauts revenus, moins vous fumez. Et plus vous avez des bas revenus, plus vous fumez. Donc parmi les bas revenus, on va dire le monde ouvrier, le monde finalement le peuple, un tiers des gens avec les plus bas salaires fument. Et quand on sait le coût des cigarettes, on va le voir, c'est complètement monstrueux. C'est qu'aujourd'hui, pour fumer, si vous fumez un paquet par jour, c'est entre 300 et 500 euros par mois. Après le tabagisme, ce qui est horrible, c'est qu'on a l'impression qu'il baisse. Il était à 28, 29, il est descendu à 24, il remonte à 25. Là, il a complètement explosé bizarrement avec le Covid, parce qu'à un moment donné, on s'ennuyait, tout le monde était à la maison. Je pense que l'alcool, c'est à peu près la même chose. L'alcool, la cigarette a complètement explosé avec le Covid. Et
explosion des records des recettes fiscales pendant le confinement. Donc après, les éléments en faveur de le fait d'interdire la cigarette, c'est déjà certains pays se lancent. Et déjà, ça fait jurisprudence et c'est très très bien parce qu'à un moment donné, la Nouvelle-Zélande, c'est un peu un laboratoire par rapport à cette loi qui est ultra violente. Et après, des détails pratiques, c'est que si vous fumez, vous savez que par rapport aux dents, c'est une catastrophe. Par rapport aux doigts aussi, vous avez les doigts qui jaunissent, c'est dégueulasse. Et moi, je trouve le plus horrible, j'ai pas de moustache, mais les gens qui ont la moustache qui jaunit, là, je trouve ça complètement horrible. Après, pour la santé, bien évidemment, ça paraît basique de dire ça. C'est que pour soi-même, mais surtout pour l'entourage, et on dit souvent qu'on retrouve les goûts des aliments, on perd un peu le goût des aliments en fumant. Et après, le plus simple, tout simplement, c'est les finances, c'est qu'à un moment donné, bientôt, bizarrement, on l'a vu, ce sont surtout les faibles niveaux sociaux qui fument le plus. Et le pire, c'est que bientôt, ça sera réservé à une élite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous fumez un paquet de cigarettes, le paquet de Marlboro Light, il vaut 10,50 € 11 euros. Il va encore augmenter, comme d'habitude, là, il va augmenter. L'année prochaine, on sera peut-être à 12, 13 euros. Et donc, c'est complètement fou. C'est qu'aujourd'hui, pour fumer, c'est un budget, c'est quasi un salaire, en fait. C'est-à-dire 300 à 500 euros par mois, on est bien d'accord, c'est énorme, c'est monstrueux. Et donc, juste l'aspect financier, il est énorme. Et ben, malgré tout ça, c'est pas simple d'arrêter. Pourquoi? Parce que, contre, il y a le côté doudou pour moi de la cigarette. Faut être honnête, il y a le côté un peu, c'est un réconfort, c'est un peu une récompense. Moi, je sors d'une grosse réunion, je sors d'un gros truc, grosse journée de boulot, la première chose que je fais, j'allume ma cigarette. Donc après, c'est artificiel, vous allez me dire, mais dans la pratique, pour beaucoup de fumeurs, c'est ça. Par exemple, quand on s'est énervé, on va fumer sa cigarette, on a le sentiment que ça va nous apaiser. Après, contre, c'est que imaginez le jour, si on interdit, s'il y a un pays qui interdit la cigarette du jour au lendemain, c'est qu'il va y avoir des troubles de leur public, quoi. Les fumeurs vont vraiment péter un câble. Après, souvent, il y a ça, l'emploi. Ça, par contre, c'est aussi un argument. C'est qu'aujourd'hui, il y a 32 000 buralistes en France. Et bien évidemment, si on interdit la cigarette, que feront ces gens-là? Après, on l'a vu, les recettes de l'État, 15 milliards. Mais c'est pipeau, parce que 15 milliards de recettes, en face, il y a 120 milliards en frais de santé. Après, 120 milliards, c'est un chiffre approximatif, parce que c'est compliqué de dire précisément que c'est la cigarette qui a coûté telle hospitalisation et tout ça. Et surtout, un peu, j'ai envie de dire que les augmentations du prix de tabac, mine de rien, ça a bon dos parce que ça permet de combler tout simplement les trous dans les budgets de la Sécu, c'est comme l'essence. Aujourd'hui, si vous êtes fumeur, vous avez une voiture et que vous buvez de l'alcool, honnêtement, vous êtes pigeon de la République. C'est vous qui faites le budget de l'État avec le fait de conduire. Si vous fumez, vous picolez en même temps, même si c'est interdit de boire en même temps. Mais vous voyez ce que je veux dire, si vous faites les trois, bah, vous êtes vraiment le pigeon de la République pour moi. Et après, bien évidemment, si on interdit la cigarette, ce qui va se passer, c'est forcément il va y avoir de la contrebande, il va y avoir des cigarettes vendues illégalement, comme aujourd'hui le cannabis ou d'autres produits interdits. Donc après, moi, ce que je me dis, pour conclure sur ce dossier-là, et ce que je propose, monsieur Macron, si vous me le permettez, c'est un plan sur 10 ans, un peu comme l'a fait la Nouvelle-Zélande, un plan sur 10 ans où on se dit la cigarette est interdite pour les personnes nées à partir de cette année. On se dit que c'est un plan Marshall contre le tabac. Et on se dit tout simplement, on se laisse du temps, ça va déstresser les fumeurs comme moi, tout simplement, et on se dit la cigarette, elle va être interdite sur le sol français en 2032. Donc dans 10 ans, c'est pas pour tout de suite, parce que c'est un gros gros combat, faut pas y aller trop vite, on se dit dans 10 ans. Et si on se dit ça, petit à petit, un peu comme l'a fait la Nouvelle-Zélande, en 2033, bah, finalement les enfants en France vont naître dans un pays 100% sans tabac. Donc c'est un peu idyllique, c'est un peu utopique. Mais en même temps, la Nouvelle-Zélande, ils sont en train de faire quelque chose de sympathique. Honnêtement, j'espère que ça va fonctionner, que ça obtiendra des très bons résultats. Et peut-être que moi, pour arrêter de fumer, je vais devoir aller vivre en Nouvelle-Zélande. En plus, c'est un très très beau pays, je pense. Et donc voilà, c'est un petit dossier un peu hors série. N'hésitez pas, en tout cas, surtout si vous êtes fumeur, vous avez arrêté de fumer, ça m'intéresse énormément. Et comme vous le voyez, en novembre, c'est le mois sans tabac, donc je me disais que c'était dans la bonne tendance de faire cette vidéo. Et en tous les cas, à tous les fumeurs, je vous souhaite beaucoup de courage, parce que de plus en plus, on nous envoie des cailloux maintenant quand on est fumeur, on est un peu les parias de la société. Donc je vous salue, et surtout si vous essayez d'arrêter de fumer, dites-moi si vous avez des petites recettes, si vous avez des petits trucs pour peut-être pas arrêter, mais au moins diminuer la cigarette, mais surtout ce que j'aimerais, c'est des remèdes un peu de long terme. Parce que j'ai déjà réussi à arrêter de fumer sur du court terme. Malheureusement, je n'arrive pas à arrêter complètement cette merde, tout simplement. Donc voilà, ce sera tout pour moi. J'espère que ce dossier vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez aimé ce genre de dossier, à me le dire et à vous abonner, à liker. Ça m'aidera énormément. Merci beaucoup. Je vous souhaite un très bon week-end. Ciao tutti.